J'ai reconnu ton coup de sonnette. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Tu es en retard, tu sais. Je commençais à m'impatienter. Si tu crois qu'il est facile de se libérer. Mais c'est pas un reproche, mon chéri. Je pensais que tu avais eu un empêchement. Si j'avais eu un empêchement, je t'aurais téléphoné. Qu'est-ce que tu as? Tu me réponds comme si. Comme si quoi? Tu m'as même pas embrassé. C'est la première fois. Écoute, ma chérie, en ce moment, je suis un peu préoccupé. Tu as des ennuis? Des ennuis, pas encore. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire que, si je ne me trompe pas, les ennuis ne vont pas tarder à venir. Explique-toi la fin. Donne-moi d'abord 2 doigts de whisky. J'en ai besoin. C'est vrai, tu es pâle comme un mort. Tu t'es disputé, tu t'es battu. Donne-moi le whisky au lieu de dire des sottises. Bon, tout de suite. Avec de l'eau? Non, pas la peine. Je le prendrai sec. Je te sers. S'il te plaît. Dis-moi. Les ennuis, c'est pour toi ou pour moi? Pour nous deux, hélas. Tu ne vas pas me quitter? Ma chérie, tu es folle. Tu sais bien que toi et moi, tu ne bois pas? Oh, moi, je n'ai pas encore besoin de remontant. Ça va mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'ai été suivi tout l'après-midi. Tu te fais encore des idées, déjà la semaine dernière. Justement, par le même type que la semaine dernière, chapeau et gabardine couleur de muraille, tu vois le genre. J'ai changé 2 fois d'itinéraire. J'ai même laissé ma voiture dans un parking pour prendre un taxi. Je croyais l'avoir semé et Mais si puis. tu savais que tu étais suivi, pourquoi es-tu venu Je te ici? répète que je croyais l'avoir semé. Et puis, tout à l'heure, j'étais déjà dans l'ascenseur lorsqu'elle est entrée dans le couloir. Il m'a vu, lui aussi, j'en suis sûr. Si seulement il y avait un médecin dans l'immeuble, Pourquoi un médecin? ou un dentiste, ou un tailleur, n'importe qui chez qui je puisse me rendre comme un simple client. Malheureusement. Il y a quand même une trentaine de locataires. Tu peux être allé chez n'importe lequel. Oh, pour peu qu'il fasse bavarder la concierge, il sera vite fixé. Elle nous a vus assez souvent ensemble, celle-là. Éteins la lumière. Je vais jeter un coup d'œil par la fenêtre. Éteins, je te dis. Laisse-moi le temps. Ça va comme ça? Tu vois quelque chose? Tu le vois? rien du tout. Du 5e étage et avec la nuit. Tu peux rallumer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien. Hey. On est dans un drôle de pétrin. Attends, je réponds. Allô? Oui, c'est moi. Ah, non, monsieur, vous faites certainement erreur. Non, je ne le connais pas. Puisque je vous répète que je ne le connais pas, il ne peut pas être chez moi. Je me moque de l'intérêt de ce monsieur. Bon, vous pouvez rappeler tant que vous voudrez, ça ne changera rien. Yes. Un homme, il voulait te parler. Aucun doute, c'est le type d'en bas. Pour s'assurer que je suis bien chez toi. Il en a été quitte pour ses frais, même s'il rappelle, S'il c'est. rappelle, c'est qu'il est certain que je suis ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Qu'il désirait te parler dans ton propre intérêt. Mais ça, tu sais, c'est. Dans mon propre intérêt. Laisse-moi répondre. Tu vas tout de même pas le. Laisse-moi faire. Allô? Je suis bien chez Mademoiselle Odile Toussy. Oui, monsieur. C'est donc à Henri Milliot que j'ai l'honneur de parler. Non, monsieur. Comme c'est dommage. Dommage pour lui, car bien des choses auraient pu s'arranger entre nous.
Mais quelle chose ? Allons, monsieur Emilio, cessez de jouer au plus fin. Je sais que c'est vous qui êtes au bout du fil. J'aimerais avoir un entretien avec vous avant de... disons, avant l'irréparable. Je vous appelle du taxiphone juste en face. Si c'est oui, je traverse la rue et je monte. Et si c'est non ? Si c'est non, je raccroche. Quand vous entendrez reparler de moi, il sera trop tard. Alors, oui ou non ? D'accord, je vous attends. Tu le fais venir ici ? On n'a plus rien à perdre à discuter avec lui. Il doit déjà être dans l'ascenseur. C'est tellement absurde ! Je rentre le whisky. Non, non, au contraire. Sors un second verre. Tu vas lui offrir à boire par-dessus le marché. Mais pourquoi pas ? Ne bouge pas. Je vais lui ouvrir. Surtout, laisse-le parler. Qu'il dévoile ses batteries le premier. Entrez. Bonjour, monsieur Emilio. Bonjour, mademoiselle Toussy. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, comment ? Mon nom ne vous dirait rien. Je ne suis qu'un rouage. Un anonyme. Mais un anonyme qui peut vous rendre service. Je suis heureux, vraiment très heureux que vous ayez accepté cette entrevue. Asseyez-vous. Merci. Entre personnes de bonne compagnie, on peut toujours s'entendre. Whisky ? Non, non, merci. On peut toujours s'entendre à condition que chacun y mette de la bonne volonté. Une preuve de la mienne, c'est que cet après-midi, j'ai fait exprès de me faire remarquer par vous au cours de ma filature. Non, vous dites ça maintenant. À quoi ça m'avancerait-il ? Il y a 8 jours que je vous suis, monsieur Emilio. 8 jours que je connais votre emploi du temps heure par heure, minute par minute. Vous avez d'ailleurs très bien compris pourquoi, puisque cet après-midi en particulier, vous avez tenté de me semer plusieurs fois, n'est-ce pas vrai ? C'est vrai. Et après ? Si je l'avais voulu, vous ne vous seriez pas plus aperçu de ma présence que de l'air que vous respirez. Vous pensez bien que nous autres, gens de métier... Un joli métier. Il n'est pas de sot métier, mademoiselle. Au fait, s'il vous plaît, dépêchons-nous. J'y arrive. Il y a 6 ans, monsieur Emilio, vous n'étiez encore qu'un petit comptable dans l'entreprise d'exploitation forestière que dirigeait mademoiselle Charolle, qu'il avait hérité de son père. Mademoiselle Charolle, le type de la femme d'affaires énergique, frise alors la quarantaine. Vous avez 27 ans. 2 ans plus tard, vous épousez Armand Charolle. Vous me suivez ? Continuez. Armand Charolle devient Madame Emilio et vous résidez depuis dans la maison familiale qu'elle possède à Champs-Rousses, non loin de l'exploitation. Mais qu'est-ce que tout ça ? Laisse parler, monsieur. Pour vos affaires, d'une part, d'autre part, afin de voir votre mère, qui réside toujours dans notre ville, vous venez plusieurs fois par semaine à Grenoble. 2 prétextes qui, depuis 16 mois, vous permettent de rendre visite à mademoiselle Toussy, ici présente. Je peux encore ajouter que vous avez rencontré mademoiselle Toussy par hasard, un jour qu'elle faisait de l'autostop. Vous êtes très renseigné. Mais je suis payé pour ça. Payé par ma femme. Enfin, madame Emilio paie mon patron. Moi, je ne suis qu'un employé fort modeste, croyez-le bien, d'une agence de police privée. Je vous prends en charge, si l'on peut dire, chaque fois que vous descendez à Grenoble. Pour quelle agence travaillez-vous ? Aussi bien pour vous que pour moi, n'est-il pas préférable que vous l'ignoriez ? Une phrase, un mot pourrait vous échapper devant madame Emilio et lui mettrait la puce à l'oreille. Et je serais désolé. Désolé pour qui ? Mais pour vous et pour moi. Pour moi aussi. Ah, vous aviez raison tout à l'heure. Mon métier n'est pas joli, joli et si peu rémunérateur. Mon rêve à moi, voyez-vous, ce serait d'avoir une auberge, une toute petite auberge sur les bords de la Saône. On y servirait la friture. Vous voyez où je veux en venir ? Pas encore. Bah, aidez-moi à acheter l'auberge. Et madame Emilio sera assurée d'avoir le mari le plus fidèle de la terre. Du chantage ? Un service en vaut un autre. Combien ? J'ai quelques petites économies. Pour démarrer, il me manquerait seulement 4 petits millions.
Quoi? 4 millions d'anciens francs. C'est encore heureux. Et si je vous cassais la figure? Bon, ça n'arrangerait pas pour autant vos affaires. Ou si je portais plainte? Ce serait le meilleur moyen de faire éclater le scandale. 4 millions. Mais où voulez-vous que je les prenne? Quand on exploite des forêts qui vous apportent des dizaines de millions par an. Puisque vous êtes si bien renseigné, vous devez savoir que je ne suis que l'employé de ma femme. Je ne peux pas distraire une telle somme sans qu'elle s'en aperçoive. Je sais aussi que vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens. Que Madame Milliot divorce, elle le demandera et l'obtiendra en moins de deux. Vous vous retrouverez sans situation et sans le sou. Vous me dégoûtez. Pourquoi? 4 petits millions pour éviter une pareille catastrophe. Ce n'est pas trop cher payé, à mon avis. Salaud. Espèce de salaud. Elle. Si je ne me retenais pas... Henri, je t'en supplie, ne fais pas de bêtises. Tu as entendu ce qu'il a dit, ça n'arrangerait pas nos affaires. Vous avez de la chance. Que Mademoiselle Toussy soit une personne de bon sens. Oui. Notez que je comprends très bien ce mouvement d'humeur. Je comprends aussi que vous ayez besoin de réfléchir. En effet. Si vous me donniez un délai, le temps de me retourner... Mais tant que vous voudrez, Monsieur Milliot, je ne suis pas un monstre. Enfin, disons jusqu'à la fin de la semaine. Et comment pourrais-je vous joindre? Ne vous tracassez pas pour ça. C'est moi qui reprendrai contact. Au revoir, cher Monsieur Milliot. Au revoir, mademoiselle. Et bonne chance. Mon chéri, qu'est-ce qu'on va devenir? Si tu n'avais pas été là, je l'aurais assommé. 4 millions. Et où veut-il que je les trouve? Et puis ça me ferait tellement mal au cœur. Tu préférerais me quitter? Mais non, voyons. Oh oui, je sens que tu vas me quitter. Henri, mon chéri, dis-moi... Dis-moi que tu ne vas pas m'abandonner. Et puisque je t'affirme que non, même si j'en avais envie, ce serait maintenant trop tard. Même si j'avouais tout à ma femme, même si je lui demandais pardon à deux genoux, si tu la connaissais, elle est avant tout la patronne. Elle ne m'a pas épousé, tu comprends, elle s'est payée un mari comme elle aurait engagé un contremaître. Si elle apprend que je l'ai trompée... Tu sais sûr que ça qu'elle divorcerait? Aussi sûr que deux et deux font quatre. Elle me jettera à la rue, comme un chien galeux. Ni plus ni moins. Tout est à elle. Rien n'est à moi. Elle ne pardonnera pas, je te l'ai déjà dit. Tu m'as dit aussi que tu ne l'aimais pas. Que tu ne l'avais jamais aimée. Est-ce qu'on peut aimer une machine à calculer? Alors n'attends pas, quitte-la le premier. Viens vivre ici avec moi. Ma petite Odile, s'il ne s'agissait que de moi... Mais tu nous vois tous les deux sans métier, sans ressources? Je suis manucure, j'ai quand même quelques clientes. Et toi, tu finirais bien par trouver un emploi de bureau quelque part. À 600 francs par mois. Merci bien. Tu sais pourtant combien je tiens à toi. Moins qu'au million de ta femme, sans doute. Mais sans elle, je ne suis rien. Nous ne sommes plus rien, ni toi ni moi. En ce moment, je peux t'aider. Un peu chaque mois, c'est facile. Tiens, rien que le loyer de cet appartement... On en prendra un moins beau. Ah oui, une chaumière et un cœur. D'amour et d'eau fraîche. Notre bonne vieille poésie bien française. C'est bien joli dans les romances... Mais ça n'est guère raisonnable. Comment être raisonnable quand je risque de te perdre? Alors je le serai pour deux. Je trouverai une solution. Je ne permettrai pas que ce salaud nous sépare. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ignore encore, mais fais-moi confiance. Tu vas rester ici bien tranquillement. Tu pars déjà? J'ai besoin de réfléchir, de mettre tout ça en ordre. Tu ne m'embrasses pas? Mais si, voyons. Tu reviendras vite. Demain ou après-demain. Dès que je pourrai. Henri, mon chéri. Allons, il faut que je me sauve. Je dois encore passer chez ma mère. Puisqu'il le faut. Tu me téléphoneras? Aussitôt rentré. Promis? Juré. Au revoir. Au revoir, mon chéri. À bientôt. Roger, tu es fou! Il vient à peine de sortir! Je sais bien.
J'attendais sur le palier du dessus. Je suis tellement impatient de connaître la suite. J'allais justement me téléphoner. Tu es d'une imprudence. S'il lui prenait la fantaisie de remonter. Et pourquoi il doit revenir ce soir? J'espère bien que non. Alors raconte comment ça s'est passé après mon départ. Comme prévu. Il se fait un sang d'encre à l'idée que sa femme peut être mise au courant. Oh, c'est bon, ça. Persuadé d'ailleurs que tu es bien employé dans une agence de renseignement qu'elle paie pour le faire suivre. Tu te rends compte, moi, dans la police, même privée. Ensuite? Ensuite, plus rien. Je me suis contentée de tâter le terrain pour savoir jusqu'où on pouvait aller. Je lui ai même suggéré de quitter sa femme pour qu'on vive ensemble, lui et moi. Oh, c'était risqué, ça. Penses-tu? Il n'a qu'une chose dans la tête, la frousse du divorce. S'il lui suffisait de rompre avec moi pour l'éviter, je ne pèserais pas lourd en face de l'exploitation forestière. C'est que il en a un drôle de paquet, tu sais. Précisément. Il est prêt à tout pour le conserver. Ah, on va pas s'en plaindre, non? Il dit qu'il pourra pas se procurer les 4 millions. Oui, au début, ils disent tous la même chose. Cette fois, Roger, je crois que c'est vrai. Sa femme le tient en laisse comme un caniche. En fin de compte, j'ai un peu peur. Pas peur pour qui? Pour moi? Mais mon petit, pourquoi crois-tu que je me suis fait passer pour l'employé d'une agence de renseignement? Hein? On peut avoir envie de supprimer un vulgaire maître chanteur, mais un mari ne supprimera jamais le détective privé chargé par sa femme de le suivre. Ce serait du même coup se dénoncer. Tu prévois tout. Et s'il ne peut vraiment pas payer, ça n'en sera que mieux. On le tiendra entre nos mains mieux qu'un caniche en laisse. On en fera de la pâte à modeler. Allô? Oui. Oui, Henri Milio, c'est bien moi. Oui. Tu es folle de m'appeler ici. Je t'ai pourtant recommandé. Mais non, je ne te laisse pas tomber. Je n'ai pas eu l'occasion de descendre à Grenoble, voilà tout. Oui. Oui. Et je passerai en fin d'après-midi. Ah, Henri. Chut, j'entends ma voix. Henri, j'ai à te parler. Mais non, monsieur, on vous a mal renseigné. Il faut vous adresser à une scierie pour ce genre de travail. Oui, à votre service. Qui est-ce? Un type qui se trompait. Il cherche un fournisseur pour des feuillets et des plateaux tout débités. Il ne se trompait peut-être pas autant que tu crois. Comment ça? J'ai décidé d'acheter la scierie des frères Bréa. Tu as décidé? Comme si cela ne dépendait que de toi. Mais cela, en effet, ne dépend que de moi. L'année dernière, ils ont été en difficulté. Je leur avais avancé les sommes dont ils avaient besoin. Bah, tu aurais pu me tenir au courant. C'est mon argent que je prête, non? Oui, si je l'oubliais, tu serais là pour me le rappeler. Bref, les Bréas sont obligés de vendre. J'achète au meilleur prix. On signe la semaine prochaine. Et comme d'habitude, je suis le dernier averti. Estimerais-tu que j'ai des comptes à te rendre? À propos de comptes, Où as-tu la tête ces temps-ci? Où veux-tu que je l'aie? J'ai relevé 2 erreurs dans ta comptabilité. Tout le monde peut se tromper. Oui. Mais des erreurs de cette taille, 9 300 francs en tout. 930 000 anciens francs, si tu préfères. Mais comment expliques-tu ça? Si je pouvais l'expliquer, je n'aurais pas fait d'erreur. Et voilà. Voilà la façon dont je suis secondée. Tu me reprochais tout à l'heure de ne pas te faire confiance, alors que je ne peux rien te confier de sérieux. Il faut toujours que je sois derrière toi, que je vérifie tout ce que tu entreprends. Mais si tu n'étais pas toujours sur mon dos... Il manquerait 930 000 francs dans la caisse. Ce serait du propre. Et quand je dis il manquerait, il manque toujours, pour le moment. Mais tout de suite, tu dramatises. Je dois avoir oublié de collationner un chèque ou deux. Il suffit de pointer sur les registres. Tâche de t'y mettre au plus tôt. Une comptabilité saine dans une affaire saine, c'était le principe de mon père. Et c'est le tien. Je connais la chance. Tu me la répètes assez souvent. Bon, si c'est tout ce que tu as à me dire... Non. Ce matin, pendant que tu étais à la coupe du bois du pas de loup, un de tes amis de Grenoble a téléphoné. Qui ça? Monsieur a refusé de donner son nom. Et grossier en plus. Quand je me suis permis d'insister, il a répliqué que c'était des affaires d'hommes et que ça ne regardait pas les... Il a employé le mot de femelle. Je lui ai raccroché au nez. Tu as bien fait. C'était certainement une blague. Blague ou pas, permets-moi de te dire que tu as de drôles de fréquentations. Et allez donc, mes amis, mes fréquentations. Mais tu ignores qui était au bout du fil et c'est sur moi que ça retombe. Si, comme c'est probable, il s'agit d'une farce, n'importe qui a pu la faire. Bon, n'en parlons plus. Dès que tu as retrouvé l'erreur, tu me fais signe.
Dis-moi, Henri. Quoi encore? Tu as beaucoup changé ces jours-ci. Moi? Tu n'es pas à prendre avec des pincettes. Comme si quelque chose te tracassait. Et que vas-tu chercher là? Et vois-tu, je n'aimerais pas, pas du tout, que tu me caches quelque chose. Combien de fois faudra-t-il te répéter de ne jamais m'appeler chez moi? Ma femme a failli surprendre notre conversation. Je demande pardon. Sans nouvelles de toi, j'étais un peu perdue. Et l'autre, cet imbécile. Il téléphone, il tombe sur ma femme et au lieu de s'excuser, de trouver un prétexte à son coup de fil, voilà qu'il l'insulte. Il l'aurait fait exprès pour m'attirer des ennuis qu'il n'aurait pas agi autrement. Mais tu es sûr que c'est lui? Mais qui veux-tu que ce soit? Un type qui refuse de donner son nom. Tu attends quelqu'un? Non, personne. Je ne tiens pas ce qu'on me voit ici. Tu deviens d'une prudence? C'est justement par manque de prudence que nous en sommes. Je passe dans la chambre. Voilà, voilà, j'arrive. Bonjour, mademoiselle Toussy. Il est là? Dans la chambre. Que voulez-vous encore? Voir monsieur Milio, parbleu. Vous pouvez vous montrer, monsieur Milio, ce n'est que moi. Comment savez-vous que je suis ici? Ah, ben n'oubliez pas, cher monsieur, que je suis payé pour vous suivre. J'ai vainement essayé de vous joindre par téléphone chez vous ce matin. Ah oui, c'est malin. Et par-dessus le marché, vous insultez ma femme, comme si la situation n'était pas assez compliquée. Ah, madame Milio m'a porté sur les nerfs avec ses airs de propriétaire. Vous auriez pu au moins être poli. Oh, admettons que j'ai eu tort. Vous avez l'argent? Vous ne vous figurez tout de même pas que j'allais me procurer 4 millions comme ça du jour au lendemain. Je me contenterai d'un premier versement raisonnable. Je vous répète qu'il m'est impossible de distraire une somme importante de notre comptabilité. Oh, avec la comptabilité, il est des accommodements. Pas avec ma femme. Elle supervise tout, elle contrôle tout. Rien ne lui échappe. Aujourd'hui encore... Ces jours-ci, j'ai bien essayé, mais à quoi bon? Oh. Vous ne comprendriez pas. Mais je comprends surtout que vous refusez ma proposition. Si vous consentiez à baisser votre prix... Ah, ah, halte là, monsieur Milio. Je vous préviens tout de suite que je n'ai pas l'intention, mais pas l'intention du tout de marchander. Et moi, je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Voyez-vous ça? Je vous préviens à mon tour, que si par votre faute les choses tournent mal, je déposerai une plainte pour tentative de chantage. À vouloir trop gagner, vous aurez tout perdu. Mais soyons sérieux, mais... voyons, tentative de chantage. Vous avez des preuves? Mademoiselle Toussy pourra témoigner. Mais elle est juge et partie. Son témoignage n'aura pas plus de valeur que le vôtre. On vous accusera d'agir par vengeance. La réputation de notre agence sera en cause, et je vous jure que mon patron a de bons avocats. Vous serez condamné. Moi, condamné? C'est un comble. Pour diffamation, parfaitement. D'autre part, si par hasard il m'arrivait malheur avant que j'aie rédigé mon rapport... Mon patron ne tarderait pas à faire la corrélation avec la filature dont il m'a chargé. Vous ne l'avez tout de même pas mis au courant lui aussi? Mais de la filature, il est forcément au courant. Quant à mon rapport, il ne tient qu'à vous qu'il vous soit favorable. Demandez donc son avis à mademoiselle Toussy. Il faut choisir, Henri. Il faut savoir choisir. Si tu pouvais emprunter... Mais emprunter sur quoi? Je n'ai rien. Rien ne m'appartient. Rien ne vous appartient, mais vous avez... Comment? Comment dit-on, par exemple? Vous avez des espérances. Qu'entendez-vous par là? Si mes renseignements sont exacts, madame Milio n'a plus aucun parent, pas le moindre petit neveu. Vous êtes donc son héritier légal. À condition, évidemment, d'éviter le divorce. Si vous trouvez un prêteur qui se contente d'espérance, comme vous dites, je suis prêt à signer tout de suite tous les engagements qu'il voudra. Et ça peut-être se trouver. Oh non, donc, ma femme est encore jeune, elle se porte comme un charme. Un accident est si vite arrivé. Voulez-vous que je m'en charge? Vous osez me proposer... Et là, qu'allez-vous imaginer? Rien, rien du tout. Enfin, de quoi vous chargeriez-vous, en somme? De vous trouver le prêteur en question. Ni plus ni moins. Oh, ce ne sera pas facile. Vous connaissez quelqu'un? Pas précisément, mais qui ne tente rien n'a rien. Il faut savoir forcer la chance. Vous êtes d'accord? D'accord, pour le prêteur. Alors, entendu. Je m'occupe de tout. J'espère pouvoir vous donner une réponse après-demain. Surtout, ne téléphonez plus chez moi. En soyez sans crainte, je prends des nouvelles ici, chez mademoiselle Toussy. À bientôt, monsieur Milio. Ah, au cas où je ne trouverai pas de prêteur, réfléchissez quand même à une solution de remplacement. D'ici là, à nous trois,
on aura peut-être une autre idée. Son histoire de prêteur ne tient pas debout. Ça te fait quand même gagner du temps. 2 jours de plus, 2 jours de moins. Tu sais, j'ai fait semblant d'y croire, mais je l'ai vu venir de loin. L'héritage, l'accident... Il ne s'imagine tout de même pas que je vais assassiner ma femme. Henri, tu te montes la tête. Il a parlé d'accident, pas plus. Une improvidence, quoi. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Moi-même, je... Henri, mon chéri, je dors si mal toute cette nuit. Les idées défilent là-dedans. S'il arrivait un accident à ta femme, un vrai, tout serait résolu. Plus de problème. Tu serais libre et riche. De toi. On serait libres tous les deux. On pourrait vivre ensemble, heureux, sans se cacher, jamais plus. Moi aussi, j'y ai pensé, souvent. Et un accident, c'est un accident. On n'y peut rien, on n'est pas responsable. On n'a rien à se reprocher. Personne ne peut rien vous reprocher. La destinée, comme on dit. J'ai lu quelque part que parfois il suffisait de souhaiter quelque chose très fort pour que cela arrive. Alors je souhaite que ce salaud de maître chanteur passe sous un autobus en sortant d'ici. Je t'assure, Roger, il a souhaité que ce soit toi qui passes sous un autobus. Des mots, tout ça, des mots. Si tu avais vu sa figure à ce moment-là. Mais réfléchis 2 minutes, si comme il le croit, je n'étais qu'un employé de l'agence. Ma mort n'arrangerait pas ses affaires, bien au contraire. Mon remplaçant ne serait sans doute pas aussi compréhensif que moi. Il n'a toujours aucun soupçon. Aucun. Il vit dans une espèce de cauchemar. Au fond, tu sais, il me fait un peu pitié. Il tient à moi, sa manière. Oui, il tient surtout au fric de sa légitime. Tu simplifies tout. Au début, vois-tu... Au début, tu étais entièrement d'accord avec moi. Bah, je le suis toujours. Bah, heureusement. Seulement depuis, je le regarde vivre, je l'observe. Il a toujours été sous la coupe de sa femme. Sous la coupe de bois, oui. Bon, en fin de compte, c'est un pauvre type, un faible. Et tu aurais envie de le protéger, peut-être. Pour changer d'avis, mon coco, il est un peu tard. D'ailleurs, c'est pour lui que tu travailles. Quand il sera libre et riche, vous pourrez filer le parfait amour. À partir du moment où j'aurai touché ma part, vous n'entendrez plus parler de moi. Je tiendrai parole. J'ai peur que tu ailles trop loin. Mais il n'y a aucun risque, tu entends? Aucun. S'il n'accepte pas... Il l'acceptera, fie-toi à moi. Maintenant, je le connais comme si je l'avais fait. À quelle heure doit-il arriver? D'un moment à l'autre. Bon, quand il sera là, tu nous laisseras seuls. Tiens. Tiens, quand on parle du loup. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Ah, vous êtes déjà là, vous? Je vous attendais. Je vous laisse. Tu sors? Où vas-tu? C'est moi qui ai demandé à Mademoiselle Toussy de nous laisser seuls. Mais il n'y a pas de raison. Croyez-moi, Monsieur Milliot, ça vaut mieux. Je fais juste une course dans le quartier. À tout à l'heure. Pourquoi désirez-vous me parler seul à seul? Parce que, Monsieur Milliot, le moment est venu de causer sérieusement. D'homme à homme. Vous n'avez toujours pas d'argent. Et vous, pas de prêteur? Ni vous ni moi n'avons jamais cru que j'en trouverais un. Alors pourquoi me l'avoir proposé? Et pourquoi avez-vous fait semblant d'y croire? Pour gagner du temps. Et moi, pour vous donner le temps de réfléchir. J'ai votre avenir entre mes mains, Monsieur Milliot. Et le seul moyen de faire pencher la balance de votre côté, vous ne le possédez pas. Demain ou après-demain, je rédigerai mon rapport dans le courant de la semaine prochaine au plus tard. Madame Milliot saura à quoi s'en tenir sur votre fidélité. À moins que... À moins que... À moins que d'ici là, il lui arrive un accident. C'est donc bien à cela que vous vouliez que je réfléchisse. Oseriez-vous prétendre que vous ne l'avez pas souhaité? Que maintenant encore, vous ne le souhaitez pas? Souhaiter est une chose. Agir en est une autre. Non, vous m'avez mal compris. Je veux parler d'un vrai accident. D'un accident dont vous n'auriez pas à supporter la responsabilité. L'hiver approche. La région grenobloise est montagneuse, les routes souvent verglacées. Un dérapage en plein virage n'étonnerait personne. Ma femme est une excellente conductrice. Ben, même excellente, une conductrice particulièrement nerveuse n'est pas à l'abri d'un malheureux hasard. Et le hasard vous offre l'amour, la richesse et la liberté, Monsieur Milliot.
Et tout ça pour combien ? 10 millions au lieu de 4. C'est donné. Il vous suffit de dire oui. Non. C'est de la démence, de la folie pure. C'est votre dernière chance. Tant pis pour vous si vous la laissez échapper. Je serai le premier suspecté. Mais pas si vous avez un alibi. On découvrira ma liaison. Mais vous ne la cacherez pas, au contraire. C'est avec Mademoiselle Toussy que vous aurez votre alibi. On vous aura vu ensemble. Vous n'aurez même pas à mentir, puisque ni l'un ni l'autre, vous n'en saurez davantage. Mais vous rêvez. Et alors, continuons le rêve. Supposons par exemple que samedi après-midi, comme d'habitude, vous descendiez à Grenoble voir votre mère. Supposons que le soir, au lieu de rentrer, vous téléphoniez à votre femme. Ma mère n'a pas le téléphone. Mais je le sais aussi bien que vous. Aussi, vous serez censé téléphoner d'un café. Allô? Allô? C'est toi, Armande? Je t'appelle d'un café. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en panne? Non, non. Non, je suis toujours à Grenoble. Ma mère est souffrante. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien de grave. Un peu de grippe, sans doute. À son âge, avec ce temps, je ne peux pas la quitter comme ça. Elle fait encore ses simagrées pour que tu restes avec elle plus longtemps. Je t'assure, elle est au lit, avec de la fièvre. Bon, bon, admettons. Tu comptes rentrer tard? Je compte passer la nuit, naturellement. Toute la nuit? Oh, c'est charmant. Et cette voisine de palier qui s'occupe d'elle d'ordinaire? Du moment que je suis là, c'est plutôt à moi son fils de la soigner, non? Écoute, je te rappelle demain matin. Bonne nuit. Si tu le prends comme ça, bonne nuit. La mère et le fils, les oreilles vont me siffler cette nuit. Allô? Madame Armande Milliot, s'il vous plaît. C'est moi. Je vous téléphone au sujet de votre mari. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère va plus mal? Elle ne s'est jamais aussi bien portée et il n'est pas chez elle. Comment? Je vous informe que M. Milliot n'est pas chez sa mère, mais qu'il est en train de roucouler avec sa maîtresse. Qui est à l'appareil? Qu'importe mon nom. Savez-vous qu'elle a au moins 20 ans de moins que vous? Qui ça? Et la maîtresse de votre mari, parbleu. Vous mentez. C'est lui qui vous a menti. Si c'est une farce. Si vous ne me croyez pas, allez donc y voir vous-même. La mère de M. Milliot est bien tranquillement en train de faire sa partie de dame avec sa voisine de palier. Et quant à lui... Quant à lui? C'est une autre partie qui est en train de jouer. Bonsoir, Madame Milliot. Un, deux, trois. Tu vous en manges trois d'un coup, ma pauvre Émilienne. Eh ben moi... Et voilà, j'ai une dame, ma chère Élise. Vous avez entendu? Quoi donc? On a frappé, il me semble. Pensez-vous à cette heure-ci? Ah. Mais vous avez raison. Qu'est-ce que peut-il bien être? Ah, Madame Unis, peut-être. Sa fillette n'était pas bien ce soir. Je vais voir. Surtout ne toucher à rien. Je mets mes mains dans mes poches. Voir Monde. Où est Henri? Henri? Mon Dieu! Il lui est arrivé quelque chose? Ainsi donc, c'est vrai. Il n'est pas là et vous n'êtes pas malade. Mais qui est malade, Henri? Votre fils est un dégoûtant personnage. Voyons, Armand. Et vous êtes d'accord tous les deux, hein? Avouez-le que vous êtes d'accord. Vous lui faites la main pour qu'il me trompe plus facilement avec sa maîtresse. Lui, maîtresse? Qui est-elle? Où sont-ils? Mais je vous jure, je ne sais pas. Son nom, donnez-moi seulement son nom. Mais le nom de qui, pour l'amour de Dieu? Vous débarquez chez moi à 9h du soir comme un bolide. Vous m'apprenez qu'Henri a une maîtresse. Vous lui servez d'alibi. C'est faux. C'est vrai! J'exige la vérité, vous entendez toute la vérité. C'est mon droit le plus strict, mon droit. Mais qu'est-ce qui se passe, Lily? Non, rien du tout. Vous ne dérangez pas.
C'est ma voisine. Ne criez pas si fort. Vous avez peur du scandale, moi pas. Je le crierai sur les toits que votre fils est un individu répugnant, un fainéant, un macron. Oh, mon Dieu. Je divorcerai, je le jetterai à la rue comme je l'ai pris, avec sa chemise pour tout capital. Et sans regret. Bonsoir. Armande! Armande! Vous pouvez le prévenir! Ça ne se passera pas comme ça! Ça ne se passera pas comme ça. Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Je vous attendais, Madame Milliot. Qui êtes-vous? Celui qui vous a téléphoné tout à l'heure. Ah, c'est vous. Ne restez pas sur le trottoir. On sera bien mieux à l'intérieur pour causer. Qu'avez-vous à me dire de plus? Beaucoup de choses encore. Je ne vous ai pas menti jusque-là. Soit. Vous devez vous demander pour quelle raison je vous ai prévenu. Je n'ai pas eu le temps de me poser la question. Ou plutôt si. J'ai pensé que... Que j'étais logé à la même enseigne que vous. C'est donc avec votre femme que mon mari... Oui, c'est avec elle, en effet. Pourquoi ne pas me l'avoir dit au téléphone? Je n'étais pas sûr d'être cru. Je voulais d'abord que vous constatiez par vous-même que je ne mentais pas. Moi, il y a des semaines que je les surveille. Et ce soir, j'ai une certitude. Vous savez où ils sont? Oui. Parlez donc, monsieur. Où sont-ils? Connaissez-vous l'auberge du Bon Rabelais? Non. Un ancien moulin caché au creux d'un vallon à 25 kilomètres de Grenoble. Un vrai nid d'amoureux. Monsieur, je vous en prie. On y dîne et aux chandelles, très tard dans la nuit. Ils doivent être en plein repas. Les misérables. Mais si nous les surprenons, ils ne pourront pas nier. Je vous accompagne. Vous connaissez le chemin? Je vous l'indiquerai. Si vous désirez prendre le volant. Non. Je préfère que vous conduisiez. Je n'ai pas l'habitude de votre voiture et puis... La route est assez accidentée dans ce coin-là. Tu n'aurais pas dû. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Je t'en prie, maman, ce n'est pas le moment des reproches. Comment cela est-il arrivé, monsieur le commissaire? L'accident banal, comme on en trouve à des centaines d'exemplaires. La nuit, un virage dans les pleins pêche-feu, du verglas sur la chaussée. La voiture est allée s'écraser au fond du ravin, 120 mètres plus bas. C'est un routier qui l'a découverte au petit jour. On est venu me réveiller à 6 heures. Ah, s'il te plaît, maman, laisse parler, monsieur le commissaire. On est venu vous prévenir ici, à Champs-Rousses. Mais vous n'étiez pas là. Et d'après la bonne, vous auriez téléphoné hier soir que vous passiez la nuit auprès de votre mère souffrante. C'est exact. Le coup de téléphone est exact. Et Madame Milliot ne vous a pas cru, puisqu'elle a jugé bon de contrôler. Oui, je sais, ma mère m'a déjà raconté. À présent, je suppose que vous désirez savoir où j'ai réellement passé la nuit. Oui, je suis dans l'obligation de vous le demander. J'étais avec une amie. Marié? Non. Alors vous ne verrez sans doute aucun inconvénient à me donner son nom. Vous n'êtes pas obligé de répondre. De toute façon, vous l'apprendriez tôt ou tard. Je n'ai pas l'intention de le cacher, ni de me cacher. Il s'agit de Mademoiselle Odile Toussy. Elle habite ici, à Champs-Rousses? À Grenoble, 15 rue Pochet. Nous avons dîné ensemble. Où ça? À l'auberge du Bon Rabelais. Nous ne sommes rentrés que ce matin vers 10 heures. On a même aperçu des gendarmes sur le bord de la route à l'endroit de l'accident. J'étais alors bien loin de me douter de la nouvelle qui m'attendait. Et l'auberge du Bon Rabelais, au fait, n'est-ce pas cette auberge située... Ne cherchez pas. C'est bien, en effet, sur la route qui y conduit qu'a eu lieu l'accident. Vous n'allez pas prétendre que Madame Milliot allait vous y rejoindre. Rejoindre serait un euphémisme. Après la scène qui s'est déroulée chez ma mère, il est évident qu'elle venait nous y surprendre. Je vous remercie de votre franchise. Oh, vous savez, au point où sont les choses. Naturellement, au moment de l'accident, disons entre 9h et minuit, vous n'avez pas quitté l'auberge. Vous n'allez tout de même pas accuser mon fils. Voyons, maman, calme-toi. Je comprends votre question, monsieur le commissaire. J'étais déjà à l'auberge lorsque j'ai donné le coup de fil à ma femme. Le samedi soir, on y soupe et on y danse très tard. J'ai presque honte de l'avouer, nous avons dansé jusqu'à 1h du matin.
Au besoin, plusieurs personnes pourront l'attester. Ma voisine pourra aussi attester que ma bru était surexcitée comme folle. Certainement pas en état de conduire normalement. Oui, ce qui explique évidemment l'accident. Elle n'est pas en possession de ses moyens, elle roule vite, trop vite, en pleine nuit sur une route dangereuse. Tout ça est ma faute. Vous êtes seul juge, monsieur Milio. Mon rôle à moi se borne à tirer des conclusions objectives. Pour le reste, c'est une affaire entre votre conscience et vous. Il y a quelqu'un aussi qui ne doit pas avoir la conscience tranquille. Celui ou celle qui a averti ma bru. Tu mélanges tout, maman. Madame, votre mère n'a pas tout à fait tort. Mais de votre côté ou de celui de madame Milio, vous ne voyez personne qui... Comment voulez-vous que je sache? Et du côté de cette mademoiselle Toussy? Odile Toussy est entièrement libre. Et puis, qu'y faire à présent? Même si vous connaissiez la personne qui a renseigné ma femme, que pourriez-vous entreprendre contre elle? Est-ce un délit? Évidemment non. C'est un domaine qui nous échappe. D'autant plus que Mme Milio peut avoir eu des soupçons et s'être renseignée elle-même. Mais tout cela est tellement secondaire. Tellement. Oui, je vous comprends. Et je tâcherai de vous importuner le moins possible avec toutes les petites tracasseries administratives. Je vous remercie. Au revoir, M. Milio. Ah, au revoir, M. le commissaire. Je vous reconduis. Oui. Par ici, s'il vous plaît. Je suis là. Allô, Odile? Oui, c'est moi, Henri. Le commissaire de police vient de sortir à l'instant. Tout va très bien. Oui, oui. Tu recevras sans doute sa visite. Oh, ne t'inquiète pas, une formalité. Oh, tu peux dire que je t'ai téléphoné. Ça simplifiera les choses. À ce soir, je t'embrasse. Alors, le commissaire est venu? Tout juste un inspecteur. Il n'est même pas resté 10 minutes. Pas de questions embarrassantes? Aucune. Bon. Où j'ai passé le week-end, avec qui, quand sommes-nous rentrés? Je lui ai déclaré que tu m'avais mise au courant par téléphone et comme prévu, cela a beaucoup simplifié les choses. Bon. En partant, il a même consenti à me dire qu'on avait bien fait de ne pas mentir. Ils ont déjà contrôlé notre alibi au bon Rabelais. Et de ton côté? Oh, tout s'est passé à l'amiable. J'arrive de chez le notaire, pas de difficulté pour la succession. Il y aura de gros droits, mais en vendant une partie des bois, il nous restera de quoi vivre plus qu'à l'aise. Toi et moi, mon chéri. Pour la vie, sans nous cacher, sans plus personne entre nous. J'arrive à peine à y croire. Et moi, j'arrive à peine à croire. Enfin, c'est peut-être terrible à dire, mais je dois faire un effort pour me persuader qu'il ne s'agit pas d'un véritable accident. Ne fais pas d'effort, mon chéri. Viens, n'y pense plus. Il y a l'autre. Il y pensera pour nous tant que je ne l'aurai pas payé. Il faut le payer, Henri, le plus vite possible, qu'on n'entende plus jamais parler de lui. 10 millions, c'est une somme. Tu ne vas pas marchander? Maintenant, il est trop tard, tu as promis. Et je tiendrai ma promesse, comme il a tenu la sienne. Je demanderai une avance au notaire sous un prétexte quelconque. Mais il faudra qu'il attende un peu. Attendre quoi? Ne t'inquiète pas, c'est convenu entre lui et moi. Il vaut mieux qu'on ne risque pas de nous rencontrer ensemble ces jours-ci. Pas avant que tout soit un peu tassé. On doit se revoir lorsque la police aura définitivement classé l'affaire. Entrez, monsieur Mignot. Bonjour, monsieur le commissaire. Si je vous ai convoqué, tenez, asseyez-vous, je vous en prie. Oh, merci. Je vous ai convoqué afin de mettre un point final à toutes ces formalités administratives. Je me suis efforcé de vous les éviter, dans la mesure du possible, bien sûr. Je vous en sais gré. Cependant, avant de clore le dossier, il me manque encore une signature. Et la vôtre, au bas de votre déposition. Si vous la jugez conforme à vos déclarations, bien entendu. Je viens de la lire dans le bureau de votre secrétaire. Je suis entièrement d'accord. Où dois-je signer? Écoutez d'abord votre paraphe, en face de la rectification. Là, oui. Ensuite, votre signature complète ici. Bien. Voilà qui est fait. Et à présent, tout est définitivement réglé.
Ah, il ne reste qu'un point obscur. Un point obscur. Ou un point qui ne regarde plus la police. Qui a averti Madame Millot? Vous savez, les bonnes âmes bien intentionnées ne manquent pas. Oh, à propos, vous ai-je dit que... Ah ben non, non, je crois pas avoir eu l'occasion de vous en reparler. Il est absolument exclu que Madame Millot ait fait appel à une agence de police privée. Absolument exclu? Ah, absolument. Par acquis de conscience, nous avons fait une enquête dans ce sens. Or, il n'y a à Grenoble que deux agences de ce genre, l'une dirigée par un officier en retraite, l'autre par un ancien collègue de Lyon. Nous sommes en excellents termes et je leur ai personnellement posé la question. Ils n'ont jamais eu Madame Millot comme cliente. Ne croyez-vous pas que le secret professionnel... Oh, pas en pareil cas. Madame Millot est décédée. Ainsi donc, le dénonciateur serait un particulier ayant agi de sa propre initiative? Pour son propre compte, en quelque sorte. Vous l'avez dit vous-même, les bonnes âmes bien intentionnées. Ah, je conçois que l'idée d'avoir dans son entourage une de ces bonnes âmes ne soit pas très agréable. Agréable, certes, non. Mais combien instructive. Oui, monsieur le commissaire, croyez-le bien. Instructive. Sous tous les rapports. S'il y a quelque chose qui ne va pas, mon chéri, dis-le-moi. Tout va très bien. Non, non, je le sens, il y a quelque chose qui te tracasse. Tout s'est pourtant bien passé avec le commissaire. Oh, parfaitement bien. C'est à cause de cet argent? Non, non, j'aurai les 10 millions quand je voudrai, le notaire s'y est engagé. Sinon, je n'aurais pas fait paraître l'annonce dans Lyon matin. Pour le prévenir? Oui, pour le prévenir. C'était convenu avec lui, une annonce bidon. Ça veut dire qu'il peut m'appeler ici à partir de 3 heures. Il est 3h05? Oh, à peine. On dirait que le temps ne passe pas aujourd'hui. C'est cette attente qui te rend si nerveux. J'ai hâte que tout soit terminé, tu comprends? Un point final, on n'en parle plus. On oublie, on essaie d'oublier. Ah! Tu décroches d'abord. Allô? Oui? Ne quittez pas. C'est lui. Donne et prends l'écouteur. Allô? Millot à l'appareil. Ah, je pense aussi que nous pouvons fixer le rendez-vous pour ce soir. Non, non, pas en ville. Vous non plus. Donc, si vous êtes d'accord, j'ai repéré un endroit tranquille sur la route de la Fraie. Le petit bois après la bifurcation, au lieu dit le trou du cerf. Vous connaissez? Parfait. Je serai devant la grotte à 9h. Je viendrai en voiture. Oui, oui. Oui, j'aurai tout ce qu'il faut. Le trou du cerf, c'est loin? Quelques minutes en voiture. J'aime autant qu'on ne nous voit pas ensemble en ville. Bon. Bon, maintenant je file. Il faut encore que je fasse un saut chez le notaire avant la fermeture des banques. Je t'envoie quand? Demain matin. Pas avant? Non, je veux terminer cette affaire à tête reposée. Je ne sais pas quand je rentrerai ce soir, j'aime autant que tu ne m'attendes pas. Monsieur Millot, par ici. Vous êtes là. Je croyais être le premier. Je ne suis jamais en retard. Dans la nuit, je n'ai pas vu votre voiture. Je l'ai planquée un peu plus loin. Vous avez l'argent? J'ai tout ce qu'il faut. Mais avant de vous le remettre, je souhaiterais avoir une petite précision. Mais allez-y, mais en vitesse. Plus vite on se séparera, mieux ça vaudra. Pour quelle agence travaillez-vous? Pour quelle agence?
Écoutez, je vous ai déjà dit que dans votre intérêt comme dans le mien... Ne vous fatiguez pas, le commissaire de police a fait une enquête. Ma femme ne s'est jamais adressée à un détective privé. Et après? Vous n'avez jamais été chargé par personne de me prendre en filature. Puisque vous le savez, pourquoi me poser la question? Pour avoir confirmation. Vous avez agi tout seul. Pour votre propre compte, en somme. Qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes qu'un vulgaire maître chanteur. Écoutez, Emilio, ne croyez-vous pas qu'il est un peu tard pour jouer sur les mots? Hein? Vous avez eu votre accident, vous l'avez voulu. C'est vous qui l'avez voulu. Mais, nous l'avons voulu ensemble, d'accord, mais parce que ça nous arrangeait l'un et l'autre. Et si j'ai agi tout seul, vous n'avez plus qu'à vous en féliciter. C'est la meilleure garantie que la police ne fera jamais aucune corrélation entre vous et moi, puisque nous n'avons rien de commun. Je suis heureux de vous l'entendre dire. J'ai tenu ma promesse, tenez la vôtre. Vous avez trouvé la formule. Il n'y a aucun point commun entre vous et moi. Alors finissons-en. Ne vous impatientez pas, cela va être fini. Et tout de suite. Raconte vite, mon chéri. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comment ça s'est passé hier soir? Très bien. Tu l'as payé en totalité? Je lui ai réglé son dû. Il a bien promis de quitter le pays, au moins. Il ne nous donnera plus signe de vie, j'en suis certain. Enfin, tout se termine. Tout commence, au contraire. La vie commence pour nous deux, une vie nouvelle. J'ai chassé le dernier nuage. Mon chéri. Si tu savais comme je me sens fort, si fort... Ah! Ce doit être le courrier. J'y vais. Monsieur le commissaire? Tiens, bonjour, monsieur Milio. Je ne m'attendais pas à vous trouver là, si tôt. Si vous aviez téléphoné chez moi à Champs-Rousses, on vous aurait dit que... Mais ce n'est pas vous que je viens voir, c'est mademoiselle Toussy. Moi? Oui, mademoiselle. Et pour une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour moi? On a découvert ce matin dans un bois, sur la route de Laffré, au lieu dit le Trou du Cerf, le corps d'un homme tué de plusieurs balles de revolver. Oh, mon Dieu! Vous avez deviné, n'est-ce pas? Non, non, rien du tout. Qu'est-ce... C'est pourtant bien le corps de votre frère, mademoiselle. De son frère? De Roger Toussy. Oui, monsieur Milio. Ce n'est pas vrai! Elle n'a jamais eu de frère! Les pièces d'identité trouvées sur le corps le prouvent. Votre frère, mademoiselle, était un repris de justice, n'est-ce pas? Odile! Dis que ce n'est pas vrai! Dis qu'il y a erreur! La mort frappe beaucoup dans votre entourage, monsieur Milio. Qu'est-ce que vous insinuez? Il y a peu de temps, votre femme, dont entre parenthèses vous héritez... Je ne vous permets pas! Votre femme, dis-je, meurt dans un accident de voiture qu'on aurait pu vous soupçonner d'avoir provoqué si vous et votre maîtresse n'aviez eu un alibi. Et voilà que maintenant, le frère de cette maîtresse, un repris de justice, est assassiné. Convenez que c'est troublant. Je ne conviens de rien du tout! Et vous, mademoiselle? Oh, laissez-moi toute seule! Si je comprends votre douleur, mademoiselle, aussi vais-je me retirer avec monsieur Milio, s'il veut bien m'accompagner. Vous accompagner où? Au commissariat. Vous ne verrez, je pense, aucune difficulté à nous fournir votre emploi du temps d'hier soir, plus particulièrement à l'heure du crime.